Bonjour. Deuxième vidéo sur comment réfléchir. Alors, il faut vous reporter à la première vidéo, hein, ne commencez pas par celle-ci. Je m'adresse au visuel et uniquement au visuel, c'est-à-dire aux personnes qui ont des images dans la tête. Ça peut être des images de genre bande dessinée, genre reflet de la réalité ou des mots. On a des personnes qui ont des mots, qui ont des phrases, qui ont des pages quelquefois dans la tête. Donc les exercices qui vont suivre s'adressent uniquement à ces personnes-là. Et surtout si vous avez si vous vous parlez intérieurement, si vous appréhendez le monde avec des mots, si dans votre tête ça parle, surtout ne faites pas les exercices. Ils ne s'adressent pas à vous. Et je ferai une vidéo pour les personnes auditives, une ou plusieurs vidéos pour les personnes auditives plus tard. Donc c'est très important, je m'adresse aux personnes qui ont des images dans la tête, quelles que soient ces images, qui lorsqu'elles réfléchissent, si je vous dis une voiture arrive à toute vitesse, si vous avez l'image d'une voiture qui arrive à toute vitesse, ou si vous avez le mot, la phrase qui vient s'imprimer dans votre cerveau, ça s'adresse à vous et uniquement à vous. Alors par rapport, j'ai fait un oubli par rapport à la première vidéo. J'ai oublié la possibilité de visualiser donc les mots, les phrases, les paragraphes, des pages entières. Il y a des personnes qui arrivent à faire ça. Donc vous pouvez vous entraîner quand vous regardez un texte, à visualiser des mots, à revoir des mots intérieurement, des schémas, des croquis ou des cartes. C'est une façon utile d'augmenter vos capacités. Vous faites des exercices là-dessus, comme les exercices. Sur le même schéma que les exercices de la première vidéo sur les visuels, hein, les bases pour les visuels. Alors, ce que je vais vous dire maintenant est à la fois valable pour la vidéo précédente et pour celle-ci. Vous pouvez partir de là où vous êtes bon. Si vous avez remarqué que vous êtes bon dans un domaine, quel que soit ce domaine, en sport, en bricolage, ou je sais pas, pour raconter des histoires, tout simplement, pour vous souvenir de certaines choses, vous essayez de repérer comment vous faites. Et vous essayez après de la. Une fois que vous avez pris conscience de votre façon de faire, donc vous êtes capable de le faire, de réussir pour pas mal d'autres choses. Si vous êtes un bon bricoleur dans un domaine, vous devez être un bon bricoleur dans tous les domaines. Hein, vous en êtes capable. Si vous êtes capable de retenir des histoires, normalement vous êtes capable de retenir plein de choses. Ou toutes les histoires, peut-être visuelles, en tout cas toutes les histoires. Toutes les histoires, donc tous les textes possibles. Hein, ça, c'est cette notion de. Partir là où vous êtes bon, vous regardez là où vous êtes bon, vous essayez de repérer à partir de tout ce que je vous ai dit dans la première et la deuxième vidéo, celle-ci, vous essayez de repérer comment vous faites, et ça devrait beaucoup vous aider pour prendre confiance dans la méthode et pour appliquer ce que vous faites au maximum de domaines possibles, puis après pour progresser dans d'autres disciplines. Voilà, c'était l'introduction un peu, en quelque sorte. Donc l'attention, la mémorisation et la réflexion. Je commence par l'attention. Comment être attentif? Qu'est-ce que c'est qu'être attentif? Je vous montre donc une image et je vais vous obliger à faire attention. Donc je vous montre cette image et je vous dis, regardez cette image avec le projet de la voir intérieurement, de la visualiser. Donc vous regardez, vous fermez les yeux par exemple, vous regardez ailleurs, puis vous essayez de la reproduire dans votre tête. Hein, si vous avez cette idée-là en tête de regarder une image, regarder un visuel, en essayant de le revoir intérieurement, vous serez obligé de faire attention. Alors une autre image visuelle, un croquis, vous regardez le croquis du bas, hein, vous pouvez le regarder en essayant de le visualiser dans votre tête, en essayant de le revoir intérieurement, peut-être aussi le croquis du haut si vous voulez, mais en tout cas le croquis du bas au minimum. Hein, si vous regardez les choses en vous disant les choses, les choses à apprendre, les choses importantes, en vous disant, je vais essayer de la voir intérieurement, de voir cette chose intérieurement, que ce soit un mot, un paragraphe, une page, un croquis, un schéma, même un film, par exemple, un film, ou un itinéraire. Donc, vous regardez en ayant pour projet de le revoir parfaitement intérieurement. Et vous pouvez faire cet aller-retour plusieurs fois, hein, vous regardez une première fois, vous essayez de voir visuellement, intérieurement, si vous le voyez bien. Si ça n'est pas suffisant, vous regardez encore et vous serez obligé en quelque sorte de faire attention. Faire attention, c'est se mettre la chose, c'est
essayer de se mettre la chose dans la tête. La chose, l'image, le film, l'objet, la série d'images dans la tête. La série de mots que vous voyez dans votre tête. Voilà, c'est aussi simple que ça. Retenir. Comment mémoriser? Alors, une fois que vous avez... Alors là, je vous propose de passer par une récitation. Un truc tout simple que nous avons tous fait ou que nous pouvons tous faire. Une fois que vous avez la récitation dans la tête, une fois que c'est parfaitement intégré, vous devez... Alors, c'est pas suffisant. Hein. Vous êtes capable de vous la réciter, vous êtes capable de la visualiser parfaitement, et donc à partir de cette visualisation, de mettre les mots justes, mais ça n'est pas du tout suffisant. Donc pour mémoriser, vous devez vous projeter dans le futur, dans un certain lieu, avec une personne qui va vous interroger. Elle va vous poser la question, hein, est-ce que tu peux réciter telle récitation? Et vous devez vous imaginer donc dans l'avenir, devant cette personne qui vous interroge, dans une salle, dans un lieu particulier, ou dans un lieu particulier et flou en même temps, vous devez réciter votre récitation. Vous devez réciter votre texte, vous devez imaginer. Hein, si vous avez, je ne sais pas, une présentation à faire ou une explication à faire au travail, vous devez d'abord la préparer chez vous. Puis, une fois que vous l'avez complètement en vous, vous vous imaginez au travail, dans la salle, entouré de vos collègues, avec votre supérieur hiérarchique qui vous interroge précisément, et vous faites la récitation. Vous faites l'explication que vous avez en tête. Donc, il y a deux conditions pour mémoriser. D'abord, dans un premier temps, vous avez bien la chose que vous voulez mémoriser en tête, et après, cette projection dans l'avenir, dans un certain lieu, avec une certaine personne qui vous interroge sur ce que vous voulez retenir, et une fois que vous l'imaginez vous interrogeant, et une fois qu'elle vous aura interrogé dans votre imagination, ben vous dites la leçon, hein, vous dites la leçon, vous dites l'exposé, vous le faites vraiment intérieurement. Voilà, donc il y a des élèves qui vont, par exemple, retenir leur leçon pour simplement demain, hein, pour le professeur qui va les interroger pour demain, et ils pourraient oublier pour plus tard. Donc, il faut à la fois que ce soit dans le futur, mais si vous voulez retenir le plus longtemps possible, il faut que ce soit un futur flou, une personne floue qui vous interroge, hein, parce que si vous la retenez uniquement pour votre exposé, pour le travail, vous risquez de ne plus la retenir après, pour après. Or, c'est bien d'intégrer les choses le plus longtemps possible. Là, c'est pareil pour la salle d'examen, par exemple, ou la salle de travail, dans laquelle vous allez faire cet exposé, dans laquelle vous allez répondre, ben vous pouvez la faire aussi assez floue pour que ça s'adapte à la fois à toutes les salles d'examen, à toutes les salles de travail, et que vous puissiez plus tard aussi vous en souvenir. Hein, mémoriser ces deux choses. Réfléchir. Alors là, réfléchir, ça va être un peu... Pour moi, c'est un peu difficile à vous expliquer. Vous êtes face à un problème. La première des choses à faire, c'est de vous mettre le problème dans la tête, de bien le comprendre. C'est-à-dire, vous le traduisez en images si c'est des mots, vous mettez les mots dans la tête, vous les triturez un petit peu dans votre tête, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, la première étape, c'est bien comprendre, hein, avoir les choses dans votre tête. Vous fermez les yeux, vous répétez, des choses de ce genre-là. La deuxième étape, c'est d'essayer de faire venir toutes les connaissances que vous avez à propos de ce problème-là, de ce problème que vous voulez résoudre. Là, je ne sais pas trop expliquer. Puis, une fois que... et après, vous faites l'application de toutes vos connaissances au problème que vous avez. Donc, je ne serai pas très bien expliqué. Alors, imaginez que vous ayez un problème de tondeuse, tout bêtement. Hein, votre tondeuse tombe en panne. Donc, vous êtes là, vous regardez la tondeuse, vous réfléchissez, elle est en panne, ça me rappelle quoi? Elle ne marche plus. Elle s'est arrêtée brutalement. Est-ce que c'est... Donc, vous vous souvenez de toutes les pannes possibles, toutes les pannes possibles que vous connaissez. Panne d'essence, trop d'herbe, herbe trop humide, la bougie qui a un problème. Et vous appliquez toutes ces... Vous essayez de vérifier, donc vous vérifiez, vous appliquez. Je ne sais pas trop... Comme je vous dis, je ne sais pas trop expliquer. Vous intégrez le problème, hein, vous le mettez bien dans votre tête, vous le comprenez bien. Puis après, vous... d'essayer de retrouver dans votre mémoire tout ce qui s'applique à ce problème-là. Alors, comment je vais faire ça? Pareil pour un problème de vélo, vous avez un vélo abîmé. Imaginez un problème tout simple, la roue est crevée.
pour réparer la roue, une roue de vélo, il faut quand même un certain, faut savoir le faire. Donc il faut vous rappeler comment vous avez déjà vu comment quelqu'un a réparé une roue de vélo. Mais vous vous souvenez de ça, vous défilez cette image, cette série d'images-là de sa réparation. Vous vérifiez que c'est à peu près la même chose pour vous, que ce que vous avez en tête peut s'appliquer à votre crevaison, et puis vous mettez en pratique. Hein, vous devez avoir des images d'autres problèmes qui peuvent s'appliquer au problème que vous avez. Hein, une crevaison il y a 10 ans, vous avez vu quelqu'un réparer sur place, eh bien, il vous suffit de vous rappeler ça pour probablement réparer votre propre crevaison. Pareil pour des problèmes de frein. Bah, c'est toujours à peu près le même fonctionnement. Une des choses à faire, c'est comme vous êtes visuel normalement, vous percevez les images. Le problème, c'est que quand c'est des mots abstraits, vous êtes complètement nul en général. Ainsi, je vous dis des cavaliers galopent dans la plaine. Vous avez probablement une image de cavaliers qui galopent dans une plaine. Ça peut être plus ou moins précis, vous pouvez imaginer la poussière, le bruit. Mais si je vous dis la transcendance de l'espace et du temps, ça ne veut rien dire. Quand on ne peut pas mettre des images sur des mots abstraits, normalement, le visuel est complètement coulé. La personne qui voit en image, qui réfléchit en image, est complètement coulée. Donc il faut prendre l'habitude, une fois que vous avez bien les images dans la tête, il faut essayer de prendre l'habitude de vous parler, de maîtriser les mots, en fait, de prendre l'habitude, d'essayer d'être à l'aise avec les mots. Donc c'est des exercices aussi. Et dans le cas de la réflexion, c'est assez simple. Donc, vous avez des schémas opératoires. Vous savez comment réparer une tondeuse, vous savez comment réparer un vélo, certains problèmes de vélo, un problème de frein du vélo. Vous savez comment le réparer, vous avez une succession d'images de la réparation. Dans un second temps, donc vous avez vérifié, vous avez bien cette succession parfaitement précise des images. Dans un second temps, vous essayez de visualiser les mots. Vous mettez des phrases, vous essayez de visualiser des phrases qui correspondent à la réparation. C'est littéralement, vous voyez une première image, vous mettez une première, vous visualisez dans votre tête une phrase qui correspond à la réparation, au morceau de réparation que vous faites. Vous passez à l'image suivante et vous donc visualisez à nouveau une image, vous visualisez, pardon, la phrase qui correspond à la réparation et ainsi de suite. Une fois que vous arrivez bien à faire ça, donc les images habituelles, visuelles, de cinéma en quelque sorte, hein, qui correspondent à la réparation, vous essayez de faire en dessous, à côté, le texte, de visualiser le texte de cette réparation. Et c'est après seulement que vous essayez d'entendre le texte de la réparation. Hein. Les images de cinéma, les images de mots, de phrases, de paragraphes. Puis, vous essayez d'entendre après vous mettez en mots, vous entendez les phrases que vous voyez dans votre cerveau. Voilà la façon de faire pour vous, pour progresser beaucoup dans tout ce qui est auditif, dans tout ce qui ne peut être compris que par les mots, qui ne peut pas être mis en image. Alors, et dans une deuxième étape, quand vous maîtrisez bien la première étape, ce que je viens de vous raconter, vous allez plus rapidement. Vous visualisez le mécanisme opératoire, comment réparer des freins abîmés d'un vélo. Hein, vous visualisez ça très très bien. Et dans un premier temps, tout en visualisant bien cette série d'actions à faire pour réparer des freins de vélo, des freins de vélo pour réparer pour autre chose. Hein, vous essayez de trouver plein d'exemples différents. Et après, donc vous essayez de passer directement à l'évocation mentale auditive, c'est-à-dire vous entendez, vous parlez directement ce que vous faites dans une réparation de frein de vélo. Hein, vous abandonnez l'étape de voir les mots, les phrases de la réparation. Cet exercice ne sera pas forcément marrant, mais il faut essayer de le faire. Donc j'insiste beaucoup sur le fait de partir de là où vous êtes bon, et vous essayez, en tenant compte aussi de la première vidéo, de toujours vous améliorer, de commencer à faire attention dans les domaines où vous êtes bon, hein, de pratiquer le geste de l'attention dans ces domaines-là, mais peut-être que vous le ferez automatiquement.
Pareil pour la mémorisation, ce sera beaucoup plus facile de prendre l'habitude de mémoriser. Et là aussi, vous vous rendrez compte peut-être que si vous retenez déjà bien, c'est que vous le faites déjà mécaniquement. Donc, vous partez de ce que vous faites, de ce que vous faites naturellement, de là où vous êtes bon naturellement. Vous essayez de voir, de constater que ça correspond bien à la méthode que je vous ai indiquée dans la deuxième et la première vidéo. Et puis, vous essayez de progresser sans arrêt, à la fois dans un premier temps dans tous les domaines visuels possibles, et dans un second temps en ajoutant de l'auditif. C'est-à-dire, vous avez des images dans la tête, puis après, et puis quand vous avez bien ces images dans la tête qui se déroulent parfaitement bien, vous essayez d'avoir les mots qui correspondent à ces images. Hein. Essayez de mettre des phrases, d'avoir des phrases, des paragraphes en bon français qui se déroulent parfaitement. Et ça devrait vous aider dans tous les domaines. Voilà, je crois avoir terminé. Je vous salue. Si vous avez des questions, si vous avez des questions, je pourrais y répondre en commentaire, sauf s'il y en a énormément, ce qui est peu probable. Donc, je vous conseille simplement de vous entraîner. Ça devrait aller de mieux en mieux. Si vous êtes âgé, ça a été mon cas quand j'ai appliqué la méthode, vous verrez normalement de progrès nets, mais pas gigantesques, hein, normalement. Pour vos enfants, il faudra bien vérifier que ce sont des visuels. Hein. Vous les interrogez, vous leur demandez, est-ce que, quand je te parle une girafe, souviens-toi de mamie, pense à hier, où est-ce qu'on est allé hier? Par exemple, vous allez à un parc de jeux, vous lui demandez de vous en parler. Et après, vous lui demandez, mais est-ce que tu as des images de ça ou pas? S'il a des images de tout ça, s'il pense en images, si votre enfant pense en images, vous pouvez lui faire faire les exercices des premières et deuxièmes vidéos. Salut!